consacre dorénavant à l'aide aux devoirs. En ce qui concerne la participation citoyenne, un montant de 40 000 euros est prévu afin de permettre le lancement d'une nouvelle opération de développement rural. En conclusion, nous pouvons affirmer que les investissements ne manquent pas, malgré les dépenses de rattrapage du passé, et ce, tout en conservant une taxation enviable dans l'arrondissement de Verviers, soit 6% à l'IPP et 1900 centimes additionnels au prix compte immobilier. Mais si vous le voulez, nous allons passer à du concret avec des chiffres. Si on pouvait passer à le projecteur. Parlons du budget ordinaire. Alors, petit récapitulatif général. Les recettes ordinaires sont de 9 224 084 euros. Les dépenses ordinaires de 8 948 447 euros, ce qui fait que l'exercice propre dégage un bonus de 275 979 euros. Cela, il faut ajouter le boni des exercices antérieurs qui est de 173 933 euros, sur lesquels on prélève 111 590 euros pour alimenter le fonds de réserve extraordinaire, pour financer l'extraordinaire. Ce qui fait un boni général de 338 322 euros. Alors, petit rappel, je l'ai déjà rappelé, je vais y revenir plusieurs fois. On peut comparer par rapport aux résultats les dépenses incendie. On voit qu'il y a une corrélation évidente. Alors regardez, en bleu, c'est le résultat général. Et en vert, ce sont les dépenses pour le service incendie, aussi bien à l'exercice propre qu'aux exercices antérieurs. On constate que jusqu'en 2013, les dépenses pour l'incendie étaient quasi constantes, qu'à partir de 2013, elles ont explosé pour atteindre un sommet en 2016. Et le résultat général, évidemment, il a diminué parallèlement. Et c'est au budget 2017 que ces dépenses ont commencé à diminuer, et on voit que le résultat général augmente. Il y a vraiment une corrélation entre les résultats et les dépenses incendies. Au niveau des recettes ordinaires, dans les recettes, il y a les recettes de prestations, c'est-à-dire ce qui, au niveau de l'activité de la commune, génère des recettes. Elles sont d'un montant de 1 403 476 euros. Elles correspondent à 15% des recettes ordinaires de la commune. Ça correspond à 164 euros par habitant. Et elles augmentent de 8% par rapport au budget 2017. Cela pour quelques raisons que voici, notamment la vente des bois. Il faut savoir que les ventes de bois ont été très très bonnes en octobre. Qu'elles ont rapporté, que le bois s'est très bien vendu. Nous n'avons pas vendu plus de volume que la moyenne, tout petit peu plus, mais le prix d'achat a été très important. On peut
comptait aux alentours de 80, un peu plus que 80 euros le mètre cube. Voilà, et c'était une bonne vente de bois qui fait que ses recettes de prestation augmentent de 8%. Alors, si on regarde en détail, vous voyez que justement ces ventes de bois correspondent à 59% de ses recettes. Les autres recettes, ben, certaines sont à souligner, comme par exemple la crèche. Vous savez qu'elle est dorénavant sous l'égide de la commune, c'est 8% de ses recettes de prestations. Les locations de chasse, c'est 9%. Et les locations d'immeubles, c'est 7%. Ça augmente également cette année par la location d'immeubles appartenant à la commune et aussi de l'atelier de travail. Alors, voilà en tableau chiffré ce que donne l'évolution depuis 2014 de ces recettes. Attention, dans le tableau d'évolution, vous avez toujours le montant des années antérieures au niveau du compte et les 2 dernières années au niveau du budget, puisque nous n'avons pas encore le compte 2017 et le budget 2018, a fortiori, on n'a pas le compte. Et vous retrouvez ici ces évolutions. Vous constatez d'ailleurs à l'avant-dernière ligne, outre le total, les contributions parentales pour la crèche qui ont commencé uniquement à partir de 2016. Alors, outre les recettes de prestations, il y a aussi les recettes de transfert, c'est-à-dire très important, puisque c'est le plus important, c'est 7 748 698 euros de recettes. C'est donc 84% des recettes ordinaires. Ça correspond à 905 euros par habitant. Et c'est en augmentation de 3% par rapport au budget 2017. Pourquoi augmentation de 3%? Ben, essentiellement grâce à la récupération du fonds des communes qu'on nous avait rapporté, rappelez-vous, en 2016. Maintenant, nous le récupérons, ce qui permet une croissance évidente. Voilà justement cette évolution du fonds. Donc, en 2016, c'est l'année où on nous a rapporté le fonds des communes. En 2017, ça augmente légèrement par progression naturelle, mais il faut savoir qu'en 2017, au cours de l'année, on a déjà récupéré ce montant du fonds des communes et donc au compte, ça se présentera quand même plus élevé pour 2017. Et en 2018, on voit la croissance évidemment. Alors, les produits de cette fiscalité, c'est 4 822 737 euros, soit 763 euros par habitant. Voilà la répartition. Les additionnels, c'est 85% des recettes et les autres taxes, 15%. 15%. Alors, les additionnels, c'est bien sûr le prix de l'immobilier, 1 673 000. Les additionnels aux véhicules, 134 217 euros. Et l'impôt des personnes physiques, 2 314 000 euros. Je rappelle que pour générer ces recettes, ben, il y a des additionnels à l'impôt des personnes physiques de 6% et au décompte immobilier de 1900 centimes additionnels, soit un des taux les plus bas de l'arrondissement de Verviers. Cela correspond en fait à 563 euros par habitant. À l'IPT,
voyez cette variation-là, non pas au budget, mais au compte. Alors, vous constatez qu'on a placé, par calcul automatique, une ligne linéaire qui reprend l'évolution s'il n'y avait pas cette variation-là. Vous verrez d'ailleurs cette ligne-là régulièrement au cours de la présentation. Vous constatez qu'au cours de 2015, on avait évidemment des recettes à l'IPP très faibles par rapport à ce qui était budgétisé, ce qui fait que le compte a été difficile, mais ça s'est récupéré en 2016 et à partir de 2017, on espère que ça va continuer de façon plus régulière. À ce propos, il faut signaler que l'autorité supérieure a modifié son mode de versement de l'IPP puisque au lieu de verser quand il reçoit les montants, c'est-à-dire en fin d'exercice et parfois au-delà, ben, ils ont choisi de verser une partie régulièrement au cours de l'année, c'est-à-dire des avances tous les 3 mois, à peu près, ce qui facilitera la gestion évidemment de la commune. Pour ce qui est du précompte immobilier, on voit que les budgets évidemment sont plus élevés que les comptes, on espère aussi un rattrapage à ce niveau-là. Mais le précompte immobilier est en croissance nette. Petit graphique pour montrer ces évolutions. Donc, vous avez sur ce graphique l'évolution en rouge du précompte immobilier, plus régulière, bien que petit creux en 2016. La progression du fonds des communes, et vous voyez que. Non, pardon, je reviens en arrière. Voilà. Vous voyez qu'ici, de 2015 à 2016, il y a une diminution, légère augmentation en 2017 et enfin récupération de notre dû en 2018. Et l'impôt des personnes physiques, vous voyez la plus grande variation par le passé de cet impôt. Lorsque l'on regroupe ces trois sources de financement, que l'on compare les dépenses totales, voilà ce que ça donne, on retrouve cette même variation. Vous avez chaque fois aussi la linéarité qui a été présentée si jamais c'était constant. Produit de la fiscalité, il y a aussi, en plus des additionnels, le fameux 15% de taxes communales qui se répartissent comme ceci. Alors, vous avez les documents administratifs et contrôles, 44 075 euros. Ça, ce sont des taxes communales qui touchent les citoyens jalétois. Vous avez 474 112 euros de taxes sur les déchets et ventes de sacs poubelles, qui sont des taxes qui touchent le jalétois, mais qui sont obligatoires puisqu'elles doivent répondre au coût vérité. Et puis alors, vous avez les taxes de séjour, camping, seconde résidence, ainsi que écrits publicitaires et panneaux publicitaires, qui sont des taxes qui ne touchent pas directement les jalétois. Les taxes égouts et autres taxes sont marginales par rapport au passé. Alors, troisième source de recettes, c'est les recettes de dette. C'est très peu, c'est 754 409 euros, c'est-à-dire seulement 1% des recettes ordinaires, 89 euros par habitant. Et ça diminue, c'est moins 2% par rapport à 2017. C'est facilement explicable par la baisse des taux d'intérêt, puisque les recettes de dette sont notamment les recettes des fonds qui sont placés sur les comptes, mais aussi les dividendes, mais ça, les dividendes ont été diminués, vous le savez, par le passé de façon très très importante. Pour le moment, ça stagne à un niveau très bas. Donc, l'essentiel, évidemment, c'est la diminution des intérêts créditeurs.
sont ventilées comme ceci, c'est-à-dire la commune fait quoi avec cet argent, eh bien, elle dépense pour faire fonctionner son administration 2 243 396 €, c'est le plus gros poste de dépense. Ensuite vient les voiries et le service de travaux avec 1 611 491 € de dépenses. Et puis, ça c'est nouveau, en troisième position se trouve le social et la santé avec 1 177 881 €. Il faut bien entendu inclure dans la nouveauté des crèches qui sont gérées dorénavant par la commune. La dépense suivante, c'est ce qui concerne la sécurité, 990 673 €. Puis, suit directement après l'enseignement avec 984 189 €. À noter que les dépenses de personnel enseignant ne sont pas comprises dedans parce qu'elles n'apparaissent plus au budget maintenant parce que la communauté relève tout ça. Ensuite, salubrité publique et urbanisme, 629 930 €. Et puis vous le voyez, suivent l'économie, la culture et sport et la jeunesse, les cultes et enfin les dépenses que l'on ne peut pas ventiler dans ces catégories-là, mais que vous retrouvez facilement dans le budget. Autre dépense, quand on regarde le budget, ce sont les dépenses de personnel. Enfin, pas autre dépense. Les dépenses sont exprimées d'abord en termes de personnel. Eh bien, la commune dépense 4 051 072 €, mais 1 090 000 € ne sont pas c'est une subsidiation. Oui, donc c'est subventionné. Ce qui veut dire que ce sont des dépenses brutes, 4 071 000 €, puisque nous recevons des subventions pour 1 090 000 €. Ça fait 46% des dépenses ordinaires brutes, mais si on soustrait évidemment les recettes de subvention, ça ne fait plus que 33% des dépenses. C'est 475 € par habitant en brut et 348 € en net. Pour information, ce chiffre de 509 habitants en moyenne pour les communes wallonnes. C'est une augmentation de 4% par rapport au budget de 2017. Et cela s'explique pour ces raisons. Je l'ai dit dans l'introduction, il y a une allocation compensatoire qu'il faut donner pour régulariser le système des congés. L'indexation, évidemment, doit être prévue selon la circulaire budgétaire et il faut tenir compte des progressions variables en fonction de l'âge, des évolutions de carrière, etc. Et comme je l'ai dit en introduction aussi, il faut compter l'engagement de deux ouvriers pour le service de travail. Si on regarde le parcours de l'évolution des dépenses de personnel depuis le compte 2009, alors vous avez ces fameuses dépenses brutes en bleu, auxquelles il faut soustraire les subventions et on obtient les dépenses nettes en mauve. À noter que l'écart entre le bleu et le mauve est plus faible en 2009 qu'en 2018, ce qui veut dire que les subventions, subsides de subventions ont augmenté évidemment au fil du temps. Alors vous avez aussi une ligne rouge, pourquoi ? Parce que ça vous montre l'évolution sans tenir compte de la petite enfance qui a généré plus de personnel évidemment, et qui est intervenu à partir de 2016, et sans cette fameuse allocation complémentaire dont je viens de vous parler. Conclusion, on peut dire que le coût des dépenses de personnel est maîtrisé et que ce
Outre les dépenses de personnel, il y a aussi les dépenses de fonctionnement. Il faut que la commune puisse tourner avec du matériel. Et pour cela, il faut 2 127 876 €. En tout cas, c'est ce qui a été utilisé. C'est 24% des dépenses ordinaires. C'est 248 € par habitant. Et c'est une augmentation de 8% par rapport à 2017. Pour plusieurs raisons que vous trouvez facilement en parcourant le budget, c'est notamment la création d'un guichet sécurisé pour le service population. Ça devient nécessaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections en 2018. Communale, et donc il faut prévoir un montant de 14 000 € au budget. Le site internet est complètement rénové et il faut le recréer, ça crée aussi des dépenses supplémentaires. On a mis, je vous en ai parlé en introduction, un montant de 40 000 € pour le PCDR, pour lancer le nouveau PCDR. Il y a aussi une augmentation des dépenses d'énergie pour l'atelier rural, mais elles sont compensées par des recettes. Et enfin, on en avait déjà parlé aussi précédemment, il y a de nouvelles caméras qui doivent pouvoir fonctionner, qui sont installées. Évolution de ces dépenses de fonctionnement. En bleu, c'est le budget. Là, il manque en légende. Le rouge, c'est le compte, l'évolution du budget et du compte. Vous voyez qu'avec la ligne plus fine qui est la linéarité déplacée sur ce graphique. En fait, vous voyez que ces dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, qu'elles ont été compressées assez fortement en 2017 et qu'en 2018, pour les raisons que je vais vous expliquer, elles ont augmenté de 8%. Petit graphique important, parce que je vous l'avais déjà montré l'année passée, et on en a déjà parlé à propos de la vente de bois. Vous avez ici l'évolution des dépenses au niveau des travaux forestiers. Au niveau budgétaire, c'est en bleu. Au niveau compte, c'est en rouge. Vous constatez qu'il y a un écart entre le budget et le compte. Nous essayons au maximum de faire augmenter les investissements dans les forêts. Hein, parce que vous voyez qu'au niveau du compte, il y a un écart qui doit être corrigé. Il faut savoir que, et nous allons vous en parler en 2018, au courant de l'année, que la commune travaille déjà depuis quelques temps avec les services du DNF à l'élaboration d'un plan de gestion des forêts qui va s'établir de 2018 jusqu'à 2040, si je ne me trompe. Et donc là, on aura vraiment un plan à respecter et à faire respecter par le DNF pour essayer de rendre ces investissements un peu plus réguliers. Ils ne sont pas inexistants, ils sont quand même importants en progression, mais ils pourraient être plus réguliers. Au niveau des dépenses de voirie, ce qu'il faut bien faire attention, c'est de mettre et l'exercice ordinaire et l'exercice extraordinaire en même temps, puisque ce sont des travaux sur les voiries. Alors, en bleu, vous avez l'exercice ordinaire, et en rouge, le budget extraordinaire. En vert, apparaissent les deux cumulés. Et vous voyez la courbe de tendance en noir du total budget ordinaire et extraordinaire qui est en progression. Alors, troisième type de dépenses, il y avait donc les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, maintenant les dépenses de transfert. C'est 1 990 000 €. C'est 22% des dépenses ordinaires, c'est 232 € par habitant.
temps, et c'est une augmentation de 1% par rapport à 2017. Alors, au niveau graphique, voilà ce que ça donne. Vous avez une augmentation de la zone de police, hein, qui est de plus en plus légère. Il y a juste deux bons en 2013 et 2015. On va y revenir si vous voulez bien. Ensuite, le CPS, on ne saurait pas faire plus linéaire que ça, sauf un petit échelon en 2014. Et ça, je l'avais déjà expliqué, mais c'est parce que la commune faisait des dépenses pour le CPS. Et là, on a réglé les choses en remettant au CPS ces dépenses qui étaient imputées à la commune et qui auraient dû être imputées au CPS. Donc, c'est une intervention constante. Au service incendie, ben, on voit la fameuse bosse là, qui correspond à l'augmentation des interventions au niveau de la zone, de l'ancienne zone jusqu'à 2015. Et puis à partir de 2015, diminution importante puisque c'est en 2015 qu'on est passé dans la nouvelle zone. Les cotisations et subventions aux associations, ben, vous voyez qu'elles se réduisent de plus en plus. Hein, vous trouverez les différentes subventions dans le budget, nous en parlerons plus tard aussi. Au niveau intradel, il y a une augmentation entre le compte 2016 et le budget 2017, mais c'est relativement constant. Fabrique des disques, très régulier aussi. Et puis d'autres transferts divers que vous trouvez facilement aussi dans le budget. Alors, petit graphique pour vous montrer quand même l'évolution des dotations à la zone de police. Donc en bleu, vous avez la dotation de SPA qui augmente assez sensiblement, surtout depuis 2015. La dotation de TEU qui augmente aussi sensiblement, mais un peu moins fort que la dotation de SPA. Et la dotation de Jalais qui augmente, ouais, moins fortement finalement quand on compare ces résultats. Alors, autre petit graphique, c'est comparer ces différentes dotations avec les dépenses ordinaires de la police. Et vous voyez que c'est nécessaire qu'il y ait une adaptation des dépenses à la zone de police puisque sans ces augmentations, il est impossible à la zone de fonctionner convenablement. C'est bien sûr ce qui est arrivé par le passé, puisque la zone de police devait travailler en 12e provisoire, vous le savez, et qu'on ne savait plus payer à la police les heures supplémentaires, et on ne savait même plus, m'a-t-on dit, aller faire le plein à certains moments des véhicules. Alors, encore l'évolution du service incendie par rapport aux dépenses totales. C'est un graphique que j'avais déjà montré l'année dernière, qui était adapté pour 2018. Ce qu'on constate, c'est qu'en 2018, eh bien, on se rapproche finalement d'une normalité, puisque c'est la dernière année où on paye des arriérés. Graphique que je vous avais déjà montré, je ne sais pas s'il faut encore insister là-dessus, mais vous avez les exercices antérieurs, les exercices propres en rouge, les exercices antérieurs en vert et le total en bleu. Constatez que avant 2012, rien que l'exercice antérieur, c'est à partir de 2013 qu'il a fallu commencer à payer ces montants. Troisième type de dépenses, donc il y avait le personnel, le fonctionnement du transfert, maintenant les dépenses de dette. Les dettes de la commune,
54 409 euros. Et attention, c'est 690 217 en fait. Pourquoi? Parce que dans les dettes, il y a en fait une manière d'obtenir des subsides, puisque pour subsidier la région, certains projets antérieurs, la région Wallonne, plutôt que de verser de l'argent, a demandé que la commune fasse un emprunt, et elle prenait en charge les montants de remboursement, la charge de cette dette, ce qui fait qu'en réalité, c'est 690 217 euros la charge nette de la commune. C'est 8% des dépenses ordinaires, c'est 88 euros par habitant, mais en réalité, c'est 75 euros de charge nette. Et à titre de comparaison, pour les communes wallonnes, c'est 136 euros par habitant en moyenne pour le budget 2016. C'est une augmentation de 6% par rapport au budget 2017, mais il faut savoir que selon la circulaire ministérielle, nous devons inscrire au budget la totalité de ce qui est prévu comme emprunt pour les projets extraordinaires, même si ce n'est que en fin d'année que ces emprunts seront réalisés. Parfois même, ils sont réalisés les années suivantes. D'ailleurs, voilà l'évolution de la charte de la tête en graphique. Évidemment, 2018, je vous rappelle, on doit inscrire des montants de dette qui ne seront probablement pas réalisés en début d'année, d'exercice. Vous avez par comparaison le compte en rouge. Autre petit graphique qui compare les implications, c'est-à-dire ce qui est payé par rapport aux emprunts contractés. Alors vous constatez qu'à partir de 2013, on a chaque fois réalisé les emprunts pour payer les montants qui ont été dépensés. Évidemment, là-dedans, il y a des emprunts pour les exercices antérieurs, parce que vous voyez qu'en 2012, il n'y avait aucun emprunt qui avait été effectué. Et donc on a dû faire les emprunts par la suite. C'était un montant d'environ 2 millions d'euros, si je me trompe. Deuxième partie, le budget extraordinaire. Récapitulatif, les recettes sont de 1 699 500 euros, les dépenses 2 799 327 euros, et donc un mari, évidemment, de 1 709 825 euros, ce que l'on va financer par un prélèvement de la réserve, du fonds de réserve extraordinaire. Ce qui fait que le budget extraordinaire est à l'équilibre, ce qui est obligatoire à cette réserve. Les investissements en exercice propre, vous voyez que tout gros coût est donné sur les voiries, parce que c'est 72% des investissements, 10% à l'administration de l'enseignement et 3,1% pour les autres secteurs. Quels sont les principaux investissements? Achat de matériel informatique, je l'ai dit, réfection de toitures de bâtiments communaux, l'installation, etc. Travaux énergétiques dans les bâtiments, aussi bien dans les écoles qu'à l'administration communale, qu'à la CAE, les bâtiments de voirie, aménagement de parking de covoiturage, travaux de réfection de voirie, acquisition de 2 camionnettes et d'une chargeuse pelleteuse, 4 pelles, aménagement du Ravel et travaux divers, dégagement et lavage, plantation et entretien de voiries forestières. Et d'autres projets évidemment qui avaient déjà été prévus et engagés en partie, en tout cas précédemment, aménagement de l'espace de l'éducation de la serre, aménagement de la place du Ménage, égouttage du Ménage, isolation de l'école de Jalais, égouttage du Ménage, réfection de voirie.
réfection de voirie dans le PIC 2017 et réfection de voirie pour le barrage. Deux petits graphiques pour terminer, pour conclure. J'ai voulu mettre dedans un graphique de l'évolution des subsides extraordinaires qui ont été budgétisés en comparaison aux subsides obtenus. Vous savez qu'on fait un budget, quand on fait un budget, on met des dépenses, on met des recettes. Parmi les recettes, on a inscrit des montants de subsides. Ce n'est pas pour ça qu'on a les subsides. Par contre, quand on obtient une promesse de subsides, on les inscrit en droits constatés, ou en droits nets. Et j'ai comparé ici dans le graphique les subsides budgétisés et les subsides en droit net, avec des courbes de tendance. Alors, les subsides budgétisés sont en bleu, les subsides obtenus, c'est-à-dire inscrits en droit net, sont en rouge. Et vous voyez l'évolution que vous allez découvrir par vous-même. On peut faire l'exercice aussi autrement. En parlant de l'évolution des subsides obtenus par rapport aux dépenses obtenues, les subsides, donc ce n'est plus du budgétisé, mais c'est du droit net, et les dépenses, c'est donc évidemment au compte. Donc je n'irai que jusqu'à 2016, puisque dans le budget, on ne sait pas évidemment noter ce qui est en droit constaté et en dépenses. Alors dans les dépenses, il y a deux formes de dépenses. Il y a l'engagement, ça veut dire qu'on réserve les sommes parce qu'on sait qu'on va devoir les payer, mais on ne les a pas encore payées. Et il y a les imputations, c'est-à-dire ce qu'on a effectivement payé. Alors les subsides sont représentés en termes de droit net, hein, j'insiste, en termes de droit net, c'est-à-dire obtenus. De 2016, de 2006 jusqu'à 2016, c'est en bleu. Vous avez aussi en pointillé la droite de tendance. Les engagements, c'est en rouge, et les imputations, ce qui a été payé, c'est en vert. Vous pouvez tirer les conclusions en observant ces graphiques. Et aussi, très bien, merci Eric pour cet exposé du budget. Un graphique, il résume très très bien tout le contenu du budget. Alors ben, nous allons passer aux questions sur ce point. On va peut-être remettre un petit peu de lumière, peut-être. Voilà, merci. Alors, les questions, moi, je vais commencer par M. Vandenbult, si vous avez des questions. Bah, ce n'est pas la question, c'est simplement un commentaire un peu sur le budget. Hein, ce budget reste dans la lignée des précédents, sauf qu'il est encore plus sans souffle, sans ambition, sans désir d'avancer, sans perspective. C'est une gestion quotidienne journalière qui est absolument indispensable et qui est certainement correcte. Et nous ne voyons aucun projet particulier sortir aujourd'hui, rien du tout. Il est bien bas, ce budget sur le baromètre de l'ambition. S'il dégage un boni, c'est évidemment au détriment de toute nouvelle initiative, à l'absence totale de projet. On ne voit aucune prévision pour l'avenir et on se pose des questions. Vous avez vu que 62% des recettes, enfin des frais de fonctionnement venaient des APE. Quand sera-t-il l'année prochaine? Je sais que cette année, il faut compter la même chose, mais vous qui nous donnez des leçons depuis longtemps pour les prévisions, notamment d'une zone de secours, où sont vos prévisions pour la diminution des APE annoncées par le ministre Jolet? Hein, où sont-elles? Je ne sais pas, je ne les vois pas. Hein, mais vous, habituellement, vous faites. Hein, mais je pense qu'on pourrait. C'est 62% des dépenses du personnel, vous imaginez, si on touche à ça, ce que ça va faire. Hein. On parle de la zone.
Tascour, on parle de plus en plus d'une nouvelle caserne. Où sont les prévisions? Je ne les vois pas. Et ton budget a été uniquement ficelé sur le fait que nous n'avons pas payé pendant des années les prévisions de la zone de l'euro. Hein? Alors qu'on le savait. On le savait. Je fais remarquer que ceux qui étaient dans l'opposition, leur devoir, c'est de rectifier le travail de la majorité. Je n'ai jamais entendu dans l'opposition quelqu'un qui en parlait. Jamais. Jamais. C'est dommage qu'on ne filme pas à cette époque-là. Et le budget extraordinaire, qui est le véritable baromètre des finances publiques, est tombé de 709 000 euros. Tout cela est inquiétant et ne garantit pas une bonne gestion du service aux citoyens. Quand je vois au projet extraordinaire, au budget extraordinaire, la jeunesse, la culture et les sports, ça fait 6 000 euros. Vous entendez? 6 000 euros pour la jeunesse, les sports et la culture. La culture, je vous signale quand même que nous payons 10 200 chaque année à SPAF. Nous avons 7 200 données à toutes les organisations culturelles de la région. Je voudrais aussi savoir où sont ces 10 200 et quelle est la plus-value de ces 10 200 par rapport à ce qu'on donne à la commune. Vous répondez tout à l'heure. La gestion de la forêt, très bien, j'ai vu des beaux graphiques, 5 000 euros. Hein? 5 000 euros à l'extraordinaire. Non, 90 000 euros. À l'extraordinaire. Vous êtes à l'extraordinaire. À l'extraordinaire, oui, mais je parle de peu ici. Oui, mais je suis à l'extraordinaire. Je suis à l'extraordinaire. Ça fait qui est quand même l'extraordinaire, c'est quand même le par là que vous avancez, que vous montrez votre désir de faire quelque chose de positif. On n'a jamais inscrit d'exploitation à l'extraordinaire. Jamais. C'est n'importe quoi. Parce que c'est récurrent chaque année, donc ça s'inscrit à l'ordinaire. Donc regardez le chiffre de l'ordinaire. J'ai bien vu. Et le chiffre, donc ne parlez pas d'extraordinaire quand c'est quelque chose de récurrent. Et alors nous sommes persuadés que c'est au détriment du bonheur de nos concitoyens et de nos citoyens qui doit rester notre unique souci. La majorité se dit heureuse de signaler que les arrivées de la zone de secours sont enfin arrivées, mais vous doutez bien, elle ne nous a pas parlé de l'augmentation, évidemment, de la dotation pour la zone de police, qui entre 2012 et cette année, enfin, est de plus d'un million. Et ça depuis l'installation du nouveau collège. Elle est plus d'un million. Malheureusement, cette augmentation sera constante. Parce que si vous avez fini et que vous êtes très fier d'avoir fini avec la zone de secours, ici nous l'aurons tout le temps. Je voudrais bien savoir pourquoi ce qui s'est passé en 2012, que toute la population le sache, hein, exactement ce qui s'est passé, c'est très important. Et c'est, je pense, plus d'une décision politique prise par le Groupe-Metz en 2012, au détriment, ben, déjà les fois, parce que ça se fait 1 million, hein, et c'est en moyenne 180 euros par an, et cela chaque année. Et cela, 180 000, cela, on ne nous en parle pas. On n'a rien entendu. Je l'ai montré dans le graphique. Aujourd'hui, oui, mais tu es passé dessus en disant, vous voyez la grosse gosse que vous voyez sur le service d'incendie. Vous n'avez pas vu? Hop! Merci, je l'ai dit. Oui, eh bien, je vous rappelle. Avez-vous vu une augmentation des activités de police à Jalais depuis 2020? Il y a 1 million, vous imaginez ce que ça a dû augmenter comme service, comme présence policière à la population. Si vous l'avez vu, dites-le-moi, je suis peut-être aveugle. Donc, tout cela montre que la gestion communale par un parti politique peut être néfaste pour les citoyens. Nous ne pouvons donc que voter contre un budget aussi minimaliste. Je reviendrai après sur certains points, mais je vous rends la parole. Bon, je vois que vous insistez beaucoup sur la zone de police. Entre autres, monsieur Le Poil. Oui, mais enfin. La zone de police, c'est très loin. On en a déjà parlé très, très souvent. Je peux en reparler. Très, très souvent. Oui, très, très souvent. Vous vous moquez toujours sur la zone de police. Il faut savoir que, vous le savez bien, que la zone de police fonctionnait en 12e provisoire depuis 2011. Et que la gestion de la police devenait pratiquement très, très, très compliquée, comme on l'a dit tout à l'heure, comme
où on a signalé du papier, on n'avait pratiquement plus. On devait attendre certains moments pour faire des pleins de voitures pour que les policiers puissent partir. Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu, monsieur Van der Bulle. Et ici, vous parlez d'une augmentation de 1 million d'euros, mais ce qui fait une bonne centaine de milliers d'euros. Mais il faut savoir quand même que l'augmentation de fonctionnement de la zone de police, il faut savoir que chaque année, il y a 2% d'augmentation au niveau de l'index. Et il y a 3% au niveau de la zone de police qui correspond à la promotion des grades légaux. Donc ça fait une augmentation annuelle de 5% de la dotation. Mais taisez-vous. Je n'ai rien dit, simplement. 5% d'augmentation par an. Vous savez très bien que nous avons renégocié pour trouver une solution en 2000, quand je suis arrivé, donc fin 2012, début 2013. Et il fallait trouver une solution pour que la zone puisse fonctionner. Vous savez très bien que vous dites que c'est moi qui ai pris des accords avec mes collègues de SPA et de TEU, mais vous savez très bien aussi que ces décisions sont passées au conseil de police, où vous savez très bien que la zone, dans la zone, que Jallet et TEU sont majoritaires au niveau du conseil de police et qu'on est minoritaire au collège de police. Je m'explique. Il faut savoir que SPA prenait à l'époque 56% de la dotation au niveau de la zone de police pour les communes. Donc, ils prenaient plus que ce qu'ils ne devaient prendre par la norme KUL qui était calculée au niveau des créations des zones de police. Elle était de 47% et quelque chose au niveau de SPA. Et SPA a décidé de prendre 56% au début de la création de la zone de police. Or, ça a fait beaucoup d'histoires, je pense, dans la ville de Spa, où ils ont commencé à ne plus vouloir payer ces 56% qu'ils avaient pris au départ. Donc, il y a eu une négociation qui s'est faite, et vous savez très bien que la négociation s'est arrêtée à 53% pour Spa, et que j'allais, nous sommes toujours en dessous de la norme actuelle, étant donné que Spa prend plus que ce qu'il doit prendre. Donc il prend quand même encore, pour le moment, 6% de plus que ce qu'il doit prendre réellement, c'est pas. Donc j'allais, on prend moins que ce qu'on doit prendre. Je pense qu'on est à 16% et quelque chose au lieu de 18% si c'était la province, donc le gouverneur qui avait pris la décision de trancher au niveau de la zone de police si on n'arrivait pas à faire un budget. Donc on aurait été à 18% aidé. Or, pour le moment, nous sommes à 16 et quelque chose. ESPA est à 53 au lieu de 47. Donc, je pense que là, vous discutez qu'on paye, qu'il y a une augmentation, c'est vrai, mais nous sommes toujours en dessous de ce qu'on devrait payer. Et je vais quand même vous dire aussi, parce que vous dites que fait la police, mais vous oubliez peut-être, vous ne voyez peut-être pas grand-chose, mais c'est que vous n'êtes quand même pas souvent présent quelque part, parce que depuis quand même les attentats et les normes de sécurité que l'on doit prendre au niveau de l'OCAM 3, j'aime autant vous dire que vous n'êtes peut-être pas venu au carnaval, vous n'étiez peut-être pas là, mais si vous estimez que des mesures de sécurité n'ont pas été prises en conséquence et en efficacité, je crois que vous n'étiez pas là, monsieur Lambert. Et idem pour la létalité, parce que quand vous voyez les mesures de sécurité qui ont été prises pour ces grands événements, où il n'y a rien à faire, et vous pouvez regarder le budget, il y a une augmentation, et c'est normal, des coûts, avec les mesures de sécurité importantes qu'on doit prendre au niveau des polices. Vous devez savoir également que les policiers ne peuvent plus circuler seuls, mais qu'ils doivent toujours être à deux, etc., etc. Donc vous pouvez discuter sur la sécurité. Moi, je dis que la sécurité, elle n'a pas de prix. Et soyons bien contents que jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de problème au niveau sécuritaire dans toutes les grandes manifestations qui sont passées dans la commune et dans tous les événements qui se passent tous les week-ends. Parce que je dois dire que tous les week-ends, si vous pouvez vous rendre à toutes les activités qui se passent sur la commune, vous ne sauriez pas. Il y en a beaucoup trop. Que ce soit un musée à Saint, à Sauvastère, à Jallet, à Thiers, à Vestel, ça n'en finit jamais. Alors, toutes ces activités-là, rien n'a été supprimé. Tout le monde, vous pouvez essayer de m'en trouver. Et je crois que la sécurité, elle a un prix. Et jusqu'à présent, on l'assume. Et je trouve que l'augmentation n'est quand même pas très, très, très importante par rapport aux difficultés que la police rencontre
pour assurer ses sécurités de aucun point. Voilà. Et je vais terminer, M. Vandenberg, en disant que lors de la décision du conseil de police, dont vous faites partie, M. Vandenberg, vous avez voté pour. Et maintenant, vous êtes archi contre. Vous trouvez qu'on peut être trop. Vous avez voté. Mais vous le savez très bien. Mais vous n'avez rien dit à cette époque. Vous étiez tout à fait d'accord. Parce qu'il fallait sortir du marasme dans lequel on était. Au niveau de la zone de police. Désolé, mais c'est comme ça. Je suis mon chef de groupe. Donc vous avez voté pour. Donc il fallait vous opposer à cette augmentation fermement, virulemment. Je vous dirais que maintenant, vous me dites qu'il y a eu une augmentation avec le 43, ce que vous voulez, mais quand je vois les augmentations du budget de la police de la zone de police des Fagnes, ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous dites. Nous payons 1 094 000 en plus. Or, entre 2012 et 2017, eh bien, la zone a payé 1 100 000 en plus à son budget. Je sais. Mais aujourd'hui, comme vous avez téléphoné à Voltaire pour les avoir. Exactement la même façon. C'est les mêmes chiffres que vous avez eu à Voltaire. Moi, je n'ai pas téléphoné à la zone pour avoir des chiffres. Enfin, le commissaire est un menteur. Je vais vous dire. Mais laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler. Je vous ai fait 1 200 000 pour la zone. Nous sommes 3 communes. Et il y a 1 094 à Jalet. Prenez vos chiffres, étudiez votre dossier, vous le verrez. Vous verrez, je veux bien vous montrer tout, j'ai tout ici. Comment c'est 1 094 ? Eh bien, vous prenez entre 2006 et 2012, et vous prenez la moyenne. Et la moyenne est de ce moment-là de 429 546,38 euros. Et quand on reprend après, on arrive à 611 912,56, ce qui fait une différence de 182 366,18 fois 6, 1 094 197. Moi, je ne sais pas. Discuter sur les chiffres, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. Donc, je vous dis, là, il y a un problème. D'ailleurs, vous voyez à la courbe, monsieur Laurent l'a dit lui-même, la courbe, elle monte. Elle devrait être comme ça. Vous ne l'expliquez pas correctement. Vous n'avez pas vu la courbe comme moi ? Il dit que non, qu'elle ne bouge pas. Mais monsieur Vandenberg, vous savez très bien qu'en 2012, étant donné qu'on a changé les pourcentages de participation des communes, en 2013, c'est tout à fait normal. Et puis après, il y a une évolution qui est normale vis-à-vis. Page 14. Ben oui, je viens de le projeter. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on dit l'inverse maintenant ? Non, on ne dit pas l'inverse. Pas l'inverse, c'est normal qu'il y ait une augmentation. Ouais. Étant donné que le pourcentage de la commune est supérieur à 2012, en 2013, de 2%, quelque chose comme ça, ou 1% et des. D'accord, mais vous avez donc ce que ça a pris. Mais ça, c'est normal. On vient de 450, on est à plus de 600 000. C'est tout à fait normal que l'on augmente, étant donné qu'on a pris un pourcentage supérieur. Mais qui est toujours inférieur à ce qu'on devait avoir. Un calcul avait été fait par votre prédécesseur qui avait calculé toutes les heures. Il avait passé des heures et des nuits à calculer les heures de prestation. Toutes les heures de prestation qu'il y avait sur la zone de Jalais. Toutes les heures. Et il était arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas changer le pourcentage. Donc ça, c'est la réalité des choses. Ce n'est pas la norme KUL, ce n'est pas ce que les Spadois veulent, parce que les Spadois, ils veulent augmenter, ils veulent diminuer. C'est normal, c'est une bonne guerre. Mais ça, c'est un problème Spadois, c'est pas un problème Jalétois, que je sache. Et il avait calculé que les heures de la zone de police sur Jalais étaient d'autant et que ça correspondait à tel pourcentage. Il a fait un travail de titan. Vous pouvez demander à M. Paquet, vous pouvez demander à tout le monde. Vous êtes arrivé, vous avez mis ça à la poubelle. Mais vous avez calculé compte, en disant. Elle le dit à ce moment-là, pas maintenant, pas 5 ans après. Là, vous savez bien qu'il allait le dire avec ça. Les autres fois, je n'ai pas voté pour. Hein. Si, vous avez voté pour. Les autres fois, je n'étais pas là. Et ça ne passe pas chaque année. Parce qu'on met des réunions à des heures impossibles. Je vous signale, M. Vandenberg, que c'est passé une seule fois
Et vous étiez là, vous avez voté pour, et maintenant vous trouvez ça scandaleux. Bon, je veux bien. En tout cas, moi je peux vous dire que la sécurité n'a pas de prix. C'est peut-être pas tout, mais c'est comme ça. Et les mesures de sécurité qui ont été prises, si vous ne les avez pas vues, c'est que vous ne... C'est dommage que nous payons pour ce pays. Non, hein, que les gens les toits payent trop pour ce qu'ils ont par rapport à ce Bayern. Et je trouve ça dommage. Certainement. Tout à fait dommage. Hein? Tout à fait dommage. Bon, voilà. On va peut-être passer à une autre question, si vous voulez bien. Monsieur Collin. Bon, moi, une des questions, je n'ai pas vraiment, mais j'ai une réflexion et une constatation à faire. Nous sommes rencontrés lors de l'anniversaire du plan climat il y a peu de temps à Erstein sur le thème des déchets. Et lorsque on s'est rencontrés là-bas, notre échevin des travaux nous a dit que la majorité avait des idées à mettre en place. Et je suis très très étonné de voir que dans ce budget, il n'y a pas une seule idée par rapport à ça. Voilà, je suis vraiment surpris parce que je pense que c'est peut-être la dernière année, vous avez l'occasion de le faire. Peut-être que oui, peut-être que non, on n'en sait rien. Mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait maintenant. Voilà. Si vous n'avez pas les idées, moi, je peux vous en donner. C'est pas le problème. Non, donc, je trouve ça. Vous sentez sur le budget, monsieur. Je suis dans le budget. Ça veut dire que si on a des idées par rapport à ça, on pouvait mettre des projets en place avec, et ça n'est pas très cher et ça n'est pas changé beaucoup la donne par rapport aux bénéfices. Voilà, c'est tout. Je constate simplement qu'il manque de projets et de toute façon, dans tout ce qui est budgétisé, notre commune est une commune qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de grands projets et ça depuis 6 ans, j'ai envie de dire, et une commune qui n'avance pas est une commune qui recule. Voilà, alors ça c'est mon avis. Eh bien c'est bien. Content de vous avoir entendu. Et j'espère que tout le monde a bien entendu. D'autres questions, c'est maintenant plus ce que vous avez dit que vous alliez refuser. Je voudrais simplement, sur cette technique ici, sur Techtéo, qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que d'après ce que moi j'ai entendu, ce que nous avons entendu, Techtéo pour le moment, on dit qu'on suspend. Les dividendes, tant qu'on n'a pas réglé de manière définitive ce problème de notice, il y a quand même 53 plus 3, 56 000 euros, je crois, qui reviennent. Est-ce qu'on sait, vous en savez plus que nous? Non, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'on ne pourra pas les introduire normalement dans le cours 2017, parce que c'est une avance. C'est une avance. Ce seront des avances, mais ce n'est plus un dividende et ça va être mis en avant. C'est encore vraiment très très. Oui. On ne sait pas très bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, ils disaient qu'on ne pouvait pas les inscrire dans le compte, je dis bien le compte 2017, parce que ce sont des avances et pas des dividendes. Mais. Et la somme exacte, pas de nouvelles, rien. Vous avez mis 50. Ouais, c'est quelque chose comme ça, à peu près. Oui, on est obligé. Par rapport aux autres années. Oui, le même montant. Par rapport aux autres années, parce qu'on est obligé de selon ce qui est pris dans la circulaire budgétaire. J'ai encore une petite question, c'est que je vois les dépenses de fonctionnement. Hein. Entre 2012 et 2018, elles augmentent de 33%. Je suis à la page 13 du document. Je suis dans le service ordinaire. Là. Vous êtes sur l'analyse fonctionnement global. Dans le fonctionnement global. Je suis dans l'ordinaire. Oui. En 2012, il y avait 1 627 000 et ici on en a 2 127 000. Ça fait plus ou moins 33%. Il faut compter qu'il y a toute une série de services importants en plus, et notamment les crèches qui interviennent dans le fonctionnement aussi. Je me rappelle bien, ça fait des 150-200 000. On est pas à 500-600 000. Hein. Oui, on est à 1,9 million. On était à 1,6 million, et maintenant on est à 2,127 000. En 2,600. Ah, c'est normal, la fille évolue. Ah, ça part de là. Dommage que vous n'êtes pas mon patron. L'informatisation, on peut le faire pour tout, hein, ça. L'informatisation
On est passé de 20 000 euros à 70 000 euros hein, de frais de fonctionnement, rien qu'à l'administration. Donc voilà, c'est comme ça, les recettes suivent aussi. Hein. Bon, il y a quand même un fameux prélèvement dans l'extraordinaire. Oui, mais on parle de les recettes suivent parce que vous allez chercher dans le compte de réserve extraordinaire. Oui, mais l'image de fonctionnement, c'est dans l'ordinaire. Oui, mais au total, vous allez chercher dans l'ordinaire. On parlait des dépenses de fonctionnement. En ordinaire, s'il vous plaît. Rien d'autre, M. Van den Bulk ? Petite question pour moi, en ce qui concerne le fonds des communes des 10% pour lequel vous étiez pénalisé, c'était au conseil, ça c'est fini, c'est terminé, cette avance. Non, c'est pas encore arrangé. Et comme vous êtes déjà prévoyant, vous l'avez prévu ? Non, on n'a pas. Oh. Vous ? Qui prévoyez tout ? Vous n'avez pas prévu ça ? Prévu quoi ? S'il y a une diminution de 10%. Mais il n'y aura pas. Ah ben non, parce que vous n'êtes pas encore, vous venez de me dire à l'instant que ce n'était pas encore résolu. Mais non, si c'est résolu, il faut écouter ce qu'on dit. Pour le fonds des communes, en 2016, j'ai entendu ce que tu nous as avons dit, j'ai perdu entendu. À peu près 100 000 euros. 10%. 10%. Nous les avons déjà récupérés en 2017. D'accord. Et je vous pose cette question-là. Je pose la question, donc le problème qui était avec le Conseil d'État est résolu. Non, parce que pour 2016, on ne les a pas récupérés et on est toujours au Conseil d'État pour 2016. Mais pas pour 2017 et 2018, évidemment. Ah ben voilà, tant qu'au niveau budgétaire, il n'y a pas de problème, mais pour 2016, on est toujours au Conseil d'État. Voilà. On n'a pas écrit de recette pour 2016. Éventuellement. Voilà, monsieur Collard, vous avez une question dans mon exposé. Non, je n'ai pas de question, mais j'ai l'impression que quand je dis quelque chose, vous n'avez pas l'air d'apprécier beaucoup, mais ce que je dis est quand même la vérité. Oui, je n'ai pas entendu. On vous a écouté, monsieur. Ben voilà, vous m'avez écouté, mais ça veut dire que c'est quand même dommage. Oui, mais ne répétez pas la même chose, s'il vous plaît. Je ne répète pas la même chose. Si, vous répétez la même chose. Mais si, je vais argumenter encore plus parce que. À cette journée, il y avait plein d'autres communes qui étaient là, avec des projets, des choses qui sont mises en place depuis bien longtemps, qui fonctionnent bien, et que ici, on a mis en place, alors c'est le cas de le faire, voilà, tout simplement. Et au niveau budget, ben justement, il n'y a rien budgétisé par rapport à ça. Voilà. Voilà. Et c'est bien dommage. Si ce n'est pas une question qui a dans le projet, mais tant pis. Petite question que vous avez posée tantôt. Pouvez-vous nous expliquer quel est le retour des 10 200 euros que nous avons versés au Centre culturel de Slin. Le retour, je ne vais pas expliquer ici dans le détail ce qui est fait et engagé par l'équipe du Centre culturel, mais entre autres, il y a beaucoup de collaborations avec les écoles, donc il y a des échanges dans les écoles, il y a les associations qui font appel au Centre culturel pour avoir du matériel, et du matériel retraité gratuitement. Il y a des activités, des soirées qui ont été organisées dans la commune. Voilà. Quand on comptabilise toutes ces heures-là, mais je peux vous fournir le tableau la prochaine fois avec les différents engagements qui ont été faits par le Centre culturel, par l'équipe du Centre culturel. Voilà. Donc le Centre culturel a son action culturelle sur une commune, et je sens bien le mot qui vous perturbe, c'est trois lettres. Mais Jarlais a son équipe du conseil d'orientation de Jarlais 3. Donc je n'ai pas cité les trois lettres. Donc les trois lettres. Les trois lettres. Oui, les trois lettres. SPA. Hein, j'entends bien à chaque fois si vous avez une allergie, vous avez des boutons. Là. Mais le centre culturel a un objectif. Et c'est l'objectif que nous, Jarlais 3, on a envie d'avoir, de porter en avant. Dans le conseil d'orientation, il y a des directrices d'école qui viennent avec des projets, qui ont des idées, ça se discute entre nous. Voilà, donc par rapport au centre culturel, réellement, il y aura de plus de bruit. Et on va continuer à travailler, puisqu'il y a d'autres projets, il y a un gros projet qui est en route aussi, puisque suite, je vais dire, à la première année, à l'échange qu'on avait avec les citoyens, qu'on avait rencontré à Sain et à Jarlais, il y a eu des thèmes qui vont être mis en avant maintenant, qui portent principalement sur
ruralité au XXIe siècle. Voilà. Et c'est un des objectifs que nous, on voulait, et que les jeunes étoiles savent quoi voulait. Donc la culture coûte relativement cher, quand même. Mais quand je vous entends, non, hein, parce que vous évoquiez tout à l'heure qu'on mettait rien dans le budget culturel. Mais je vous fais remarquer que ce qui est inscrit. 7175, alors. Il y a 7000, déjà 14000. Regardez comme il faut, on va discuter sur les subsides, il y a 14000. Parce que la culture, ce n'est pas que. Ben si, regarde ton budget. Il y a aussi tout ce qui est activité folklorique, les comités qui organisent le carnaval, les tarés. Donc là, mais c'est aussi un peu notre culture. C'est la ruralité, c'est la vérité, c'est la culture, c'est le folklore, c'est la culture aussi. C'est notre particularité par rapport à d'autres villes qui ne s'appellent pas. Eh ben, ils ont leur richesse et nous, on a les nôtres. Et notre conseil d'orientation, on se bat pour ça. Voilà. Donc, alors, en plus, et ça, c'est pas inscrit dans le budget, mais bon, je me pose une question d'argent, je reste dans l'argent. Les heures que les ouvriers comme nous passent à aider différentes associations, c'est aussi une forme de soutien aux associations et au monde culturel. Donc, je pense que c'est un peu réducteur d'évoquer 7 000 euros et les comparer avec les 10 000 euros. Ceci dit, si on veut comparer les chiffres, Télévez, c'est aussi 10 000 euros. Alors, tu me diras, qu'est-ce qu'on a comme retrouvé sur Télévez? Je voudrais bien un jour voir une émission qui parle de Chalet. Ben, je peux faire le compte, hein, et voilà, 10 000 euros. Voilà. Et il y a d'autres études de sport, et il y a d'autres budgets qui sont mis au sport, qui sont aussi importants, hein, bon, et qui sont payés aussi par les contribuables. Donc au niveau budget, la culture, au niveau du centre culturel, j'amènerai les chiffres que je vous donnerai, comme ça vous aurez une idée voilà, du travail réalisé. C'est une question que je pose. Non, mais est-ce que ma réponse est suffisante? Ça, c'est très bien. Merci. Eh bien voilà, est-ce qu'on peut passer au vote pour ce budget? Non. 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 Oui. 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 Et oui. Le point 2. Subside 2018 aux associations. Répartition. Et là, je vais passer la parole à l'échevin d'Espagne. On passe au tableau des subsides aux trois associations et clubs de la commune. Donc cette année, c'est pratiquement le même tableau que l'année passée, à l'exception des deux commissions des jeunes, de Saint et de Jarret, où là, on est adapté en fonction du nombre d'affiliés dans les clubs de Jarret et de Saint. À part ça, on n'a pas vu de modifications. Sont aussi dans le tableau des subsides. Monsieur Collard, je vais commencer par vous. Oui, par rapport à ces subsides, depuis, je pense, 5 ans, on dit toujours la même chose. C'est dommage qu'il n'y a pas une commission qui se réunit pour mettre des critères pour donner ces subsides. Parce que, comme vient de dire l'échevin, ben oui, il y a une modification au niveau des deux clubs de foot. Je pense qu'elle pourrait se faire à tous les niveaux. Et je pense que depuis 5 ans, et même au-delà de ça, il n'y a eu aucune augmentation par rapport au sujet des associations. Parce qu'on connaît beaucoup de choses, mais ça, je pense que ça ne l'est pas. Et peut-être qu'il faudrait voir. Parce que je pense que les associations de notre commune, comme on vient de le dire, elles sont importantes. C'est ce qui fait la culture de notre commune, c'est ce qui fait la vie associative, c'est ce qui fait la vie sociale aussi. Et je pense que ce serait bien de voir peut-être un petit peu ça. Voilà. Attendez, je vais vous donner le chiffre du total de ce que l'on donne aux associations. Oui, je sais, c'est déjà pas mal. Oui, mais on va le dire haut et fort pour que tout le monde entende, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de communes qui donnent. Dans le rapport, on va pouvoir le trouver. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui donnent des. Aucune commune n'a forcément des subsides comme la commune de Jarret. C'est bien dommage qu'on n'a pas le total. Éric, tu n'as pas le total. Ah, pas comme ça. C'est bien dommage. Non, mais je pense que c'est plus de 100 000 euros. Hein. C'est plus de 100 000 euros, largement. Oui. On est largement au-dessus de 100 000. Et je peux vous dire que j'en suis conscient, je le sais bien, mais voilà. Il y a peu de communes qui donnent autant de subsides aux associations. Ça, vous pouvez vous dire aussi que
les subsides sont donnés en fonction aussi de circulaire. Oui, oui, je sais. Qui prévoit que les subsides sont nécessaires pour équilibrer le budget des diverses associations. Donc ne sert pas à venir en mettre en caisse, mais servent à équilibrer le budget. Et c'est le cas pour nous, pour toutes les associations de la communauté. Je suis bien conscient de ça, mais je suis aussi conscient, ça fait presque 40 ans que je dans toutes les associations, dans beaucoup d'associations, et ça fait 40 ans que je me donne beaucoup de mal, ainsi que plein d'autres personnes qui font partie des associations, à trouver de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que les associations de la commune, toutes, travaillent dans ce sens-là, et peut-être que c'est encourager les associations et le bénévolat justement à continuer, peut-être les aider, voilà. Donc je ne critique pas la somme qui est donnée, je demande simplement pour qu'on puisse mettre des regarder ça et mettre des critères. Simplement. Monsieur Collin, je vais vous donner la somme qu'on vient de calculer, 159 207 €. Mm-hmm. Voilà. Pour les associations, hein. Oui, oui, oui. Associations, hein. Mais il y a peu de communes qui donnent des sommes pareilles. Et il y a peut-être peu de communes qui ont autant d'associations que nous. Bon, je pense qu'on a beaucoup qui n'ont absolument rien parce que les communes n'ont pas l'argent pour leur donner. Tout simplement. Ok. Ben voilà. Ok, merci. C'est un avis. Oui, monsieur Vandenbulk. D'abord, je suis très content qu'on ait enfin respecté la décision communale concernant les subsides au football. Je préciserai simplement que la somme, c'était sur l'ensemble des joueurs d'un club et pas uniquement sur les jeunes. On a modifié la commission des jeunes. Oui, mais sur la réalité communale que nous avons pris lors du conseil communal il y a des années, c'était. Mais si, nous l'avons pris autour de ça. C'est pas un arrêté, c'est une décision du conseil communal. C'est une décision du conseil communal. Ça a été voté autour de la table. Et dans ce. Mais oui. C'est comme ça. Et on disait que c'était l'ensemble des joueurs. Voilà, ceci dit, je le dis, je le signale, mais c'est une décision du conseil communal. Mais si, ouais. J'étais présent, je l'ai voté. Non, ça a été pris, évidemment que c'est été fait. Mais ce qui a été voté sur le conseil communal, c'est le tableau avec la somme attribuée à Jamais et la somme attribuée à Jamais. Et la répartition, donc il y avait 3 000 pour, à l'époque pour des frais de fonctionnement commun, et puis il y avait 10 € par joueur, par club. Mais ça n'est pas passé au conseil communal. Ça a été traduit en chiffres dans le tableau depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. C'est le même tableau. Mais ça n'a pas été précisé quand on est autant un joueur, autant particulièrement du club. Jamais. Jamais. Et tu l'as fait à un moment donné. Il faudrait voir pour le moment. C'est comme à un moment donné. Il y a 12 ans. À un moment donné, il y avait ça aussi avec les unités de scout. Oui. On s'est retrouvé une année. Je ne suis pas occupé de ça dans une soirée. Mais non, mais moi je peux te le dire. Quand je suis arrivé, j'ai mis les deux unités de scout au même prix. Parce qu'avoir une unité de scout qui touche 982 € de subsides et une autre unité de scout qui touche 1 010 €, ça veut dire un peu de débilité. On a mis tout le monde à 1 000 €. Donc voilà. Par rapport à ça, s'il vous plaît, dans le tableau, les deux clubs de tennis d'État n'ont pas la même chose. Pour quelle raison? Parce que les autres Tiège avaient plus que Jamais. Donc Tiège avait 2 000, Jamais avait 1 500. Et à partir du moment où nous, on a remis en place tout un système pour la location des salles de sport, des salles, des coachs, etc. à Jarlais. Le tennis de table de Jarlais avait toujours un ancien contrat qui datait de l'année, mais encore avant nous autres. Et il payait, je pense, 500 € par an. Mm-hmm. C'était parce qu'il y avait. Bon, ils avaient ce contrat-là, Alors quand on a revu tout ça, avec toute l'année d'occupation qu'ils avaient, ils passaient 1 500 € de location. Ce qui fait qu'eux n'arrivaient plus à équilibrer leur budget. D'accord. Et à ce moment-là, on leur a ajouté un subside de 1 000 €
c'est qu'il passait de 1500 à 2500. C'est pour ça que maintenant, j'allais à 2500, Thiège à 2000, mais bon, oui, Thiège ne demande pas à avoir plus. Thiège a été, je pense, méchamment élevé. Oui, 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 je pose simplement la question. Voilà. Ça va avec. Voilà. On peut passer au vote ? Pour l'année 2018, le montant estimatif du Fonds spécial de l'aide sociale communiqué par la région est de 60 628 euros, soit une augmentation de 22% par rapport au budget initial de 2017. Les dépenses en matière de personnel restent stables. Concernant les frais de fonctionnement, on prévoit une augmentation pour les frais de nettoyage du bâtiment. Depuis 4 années, la priorité pour le CPS de Jalais a été de privilégier la politique d'activation sociale par l'insertion socioprofessionnelle. Les bons résultats se maintiennent. En 2017, 11 personnes ont bénéficié de l'insertion socioprofessionnelle via le dispositif Article 60. Concernant l'insertion sociale, la mise à disposition de la maison du presbytère par le conseil de fabrique nous permet d'entrevoir de nouveaux projets permettant l'inclusion de notre public dit plus fragilisé. Atelier cuisine, atelier parentalité, atelier vert sont au programme. L'aménagement du lieu est actuellement en cours. Le service extraordinaire affiche des dépenses et des recettes d'un montant de 7 000 euros. Un crédit a été ouvert afin de permettre de poursuivre l'étude d'aménagement du terrain de Priesville appartenant au CPAS en vue du financement de la rénovation du bâtiment du CPS. C'est donc une politique sociale ambitieuse et raisonnée qui est menée au CPS. Alors je souhaite quand même faire une petite rajoute à ma note de politique générale parce que depuis 3 années, il est mis régulièrement en avant que l'on prélève sur le fonds de réserve ordinaire pour équilibrer le budget. C'est souvent pour moi vu comme une critique. Alors pour bien comprendre, je voudrais faire quelques clarifications par rapport aux 3 types de fonds de réserve que l'on retrouve au CPS. Il y a le fonds de réserve ordinaire, le fonds de réserve extraordinaire et la provision IEDA. Donc il faut savoir que lors de la précédente mandature, une provision à la fonction IEDA s'est constituée, et ce de manière conséquente, à savoir une somme de 100 000 euros. Les IEDA, pour rappel, ce sont les initiatives locales d'accueil, ce sont des logements conventionnés, parfaits d'asile, et qui sont mis à disposition de demandeurs d'asile par le CPS. Ce fonds a été constitué par des bonis cumulés des exercices concernés. Les subventions étaient plus importantes à l'époque, et le choix avait été fait d'investir dans cette politique d'aide sociale. Afin d'assurer l'accueil des demandeurs d'asile en IELA, des baux avaient été conclus par des particuliers. En 2012, le CPS a comptabilisé 24 places en IELA. Mais les subventions ont diminué et de plus, 6 places ont été supprimées unilatéralement par FEDASIL. Les logements ont également demandé des remises en état importantes et à charge du CPS. Le boni cumulé devait être investi et ce, obligatoirement, dans l'accueil des demandeurs d'asile. Il n'était pas question de se servir de cette somme-là pour d'autres aides sociales des autres bénéficiaires.
au risque, si on n'utilisait pas, de voir le fédéral le réclamer un jour. Dès lors, lors de cette mandature, d'autres choix ont été faits. Utiliser la provision IRA pour l'acquisition d'une maison, afin que le fédéral ne réclame pas ce fonds, supprimer 6 places supplémentaires, afin d'en maîtriser la gestion, car nous avons un ouvrier qui, en 2013 et 2014, a passé une bonne partie de son temps à remettre en état les logements des propriétaires privés. Et surtout, on a fait le choix de se rendre moins dépendant des directives du fédéral en matière d'asile qui fluctuent sans cesse. Concernant le fonds de réserve ordinaire, donc en 2012, il s'élevait à 131 000 euros. Fin 2015, contrairement à ce que Mme Braun a dit, il était plus élevé et il s'élevait à 203 000 euros, soit 70 000 euros de plus. Mais effectivement, des prélèvements sont effectués sur les fonds de réserve afin de présenter le budget en équilibre, comme le prévoit la loi organique des CPS. Je rappelle que prélever sur le fonds de réserve ordinaire pour présenter le budget à l'équilibre avait été fait par l'ancienne majorité en 2012 et 2013. Cela ne gênait personne à l'époque, à le comprendre. En 2014, nous avons remis les compteurs à zéro en augmentant l'intervention communale, comme Eric l'a expliqué tout à l'heure, de 75 000 euros pour la prise en charge de frais de fonctionnement qui avaient été transférés de la commune au CPS. Mais excepté le compte 2016, il est à souligner qu'aucun prélèvement n'a jamais été effectif sur le fonds de réserve ordinaire. Au compte 2016, ce sont 45 000 euros qui ont été nécessaires pour présenter à l'équilibre le compte budgétaire. Pourquoi ? Parce que l'exercice 2016 a été plus délicat, notamment parce qu'une dépense supplémentaire de 28 000 euros a été nécessaire pour régulariser le paiement des congés suite au passage en statut public pur, on a déjà parlé ici au conseil communal. Bien que nous soyons plus dans la récupération de certaines aides octroyées, les aides sociales ont progressé de 27% entre 2012 et 2015, notamment pour la politique menée en matière d'insertion socio-professionnelle, et qui explique en partie l'augmentation du montant prélevé sur le fonds de réserve ordinaire. Lors de l'élaboration du budget 2017, si un prélèvement de 79 000 euros a été nécessaire pour présenter ce budget à l'équilibre, nous avons pu voir, lors de la modification budgétaire, que nous en avons diminué le prélèvement de 25 000 euros. Alors, j'en viens au fonds de réserve extraordinaire parce que j'estime que c'est important. En 2012, il s'élevait à 121 000 euros. En 2015, 58 000 euros. Et pour bien comprendre, je vais revenir sur quelques éléments historiques sur la genèse du fonds de réserve extraordinaire. Donc, lors de la précédente mandature, le fonds de réserve extraordinaire avait été principalement alimenté par la vente d'une maison située à Spa, léguée au CPS par une particulière. Ça avait occasionné un apport de 85 000 euros. Maison pour laquelle le CPS avait obtenu un subside de 23 000 euros de la Loterie Nationale pour la rénover. On aurait pu l'utiliser hors territoire pour créer plusieurs places là. Le conseil de l'époque renonça à ce subside de 23 000 euros. Il est évidemment plus facile de vendre que d'investir, que de passer des marchés publics et de rénover. Le fruit de cette vente n'a fait que gonfler un fonds de réserve sans effort si on ne l'affecte à aucun projet à long terme. Cela explique peut-être la raison des deux derniers refus de subsidiation de la Loterie Nationale essuyés par le CPS de Jamais. Il y avait eu un dossier pour le financement du véhicule et un deuxième pour la logopédie que j'avais introduit en 2013. De là, il y a peut-être un lien à faire quand on renonce à un subside de 23 000 euros. Bref. Oui, parce qu'il y a des subsides refusés, 23 000 euros par rapport à 1,5 million. Donc, les prélèvements effectués ont été principalement utilisés pour renouveler les trois quarts du parc informatique pour un montant de 33 000 euros. Nous avons également honoré, je le rappelle, les honoraires impayés de 21 000 euros de la précédente mandature. Donc, oui, nous avons utilisé une partie du fonds de réserve extraordinaire pour des coûts liés à l'informatique
fonctionnement du CPAS et des frais d'architectes qui n'ont pas été honorés lors de la précédente mandature. Nous avons pu par la sorte débloquer le dossier et relancer l'étude de rénovation du CPAS. Oui, les fonds de réserve s'amenuisent et non, la mission d'un CPAS n'est pas de constituer des réserves. La loi des CPS est très claire à cet égard. Le budget doit se présenter à l'équilibre et la dotation communale compte l'éventuelle différence telle que prévue à l'article 106 de la loi organique. Lorsque le CPS ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune. D'ailleurs, certains CPS en modification budgétaire reversent à la commune des bonus. Cela a déjà été le cas par le passé pour le CPS de Jalles. Donc c'est un choix politique. Oui, c'est le quatrième budget consécutif sans augmentation de l'intervention communale. Oui, le CPS a été bien géré car l'augmentation de l'intervention communale en 2014 n'a servi qu'à couvrir les frais de fonctionnement que la commune avait transférés au CPS. Alors je vais quand même vous donner mon ressenti personnel parce que limiter le débat en conseil uniquement sur le montant des fonds de réserve est très réducteur par rapport aux actions sociales que nous avons menées. Et sur 4 ans, moi j'estime que nous avons réalisé bien des choses. Nous avons fait l'acquisition d'une maison à Herbiester pour les ILA, utilisant ainsi l'entièreté de la provision que l'on risquait de perdre si on n'investissait pas. Nous avons remis en état le terrain du CPS qui était un véritable chantre depuis qu'il avait été laissé à l'abandon après le projet du potager social. Nous avons redynamisé le service de réinsertion professionnelle en quadruplant le résultat sur 4 ans. Nous avons dû faire face à l'augmentation significative du nombre de demandeurs de revenus d'intégration sociale. De 50 bénéficiaires en 2012, nous sommes passés à 70 de 2013 à 2016. Le chiffre maintenant reste constant. Nous avons relancé le marché des repas à domicile dont le nombre de repas livrés augmente sans cesse, passant de 15 repas livrés par jour à plus de 30 fin 2017. Nous avons rapproché la boutique de son du centre de Sarre. Nous avons à disposition un véhicule de dépannage et ce gratuitement via le sponsoring de commerçants locaux. Nous avons pris en gestion 3 logements sociaux à Sur-Isère. L'ancienne majorité avait quant à elle renoncé à en prendre 4 lors de la dernière législature. Nous avons terminé l'étude de rénovation du bâtiment du CPS. Nous avons pris la gestion du cyberespace pour lequel la commune avait obtenu un subside. Nous avons organisé des séances d'information, le vol avec ruse, la prévention des chutes à domicile, une remise à niveau sur le code de la route dernièrement. Nous avons mis sur pied des cours informatiques. Nous organisons depuis 2 ans un stage pendant les grandes vacances pour les enfants connus de nos services. Nous fournissons chaque année des kits de rentrée scolaire pour les familles les plus démunies en collaboration avec les enseignants pour que ces kits correspondent à leurs demandes. Nous collaborons avec les écoles, notamment avec le projet Carte de vœux pour les personnes âgées. Nous avons élaboré le référentiel senior d'abord, véritable outil pour le maintien à domicile. Des permanences juridiques de première ligne ont lieu chaque mois dans nos locaux. C'est donc un nouveau service gratuit pour chaque citoyen. Nous avons fêté les 40 ans de la loi organique en mettant en avant les actions sociales mobiles au CPS. D'ailleurs, dans ce cas, nous avons été invités par le ministère de l'Intégration sociale qui organisé une journée spéciale à Bruxelles pour les 40 ans le 15 décembre de l'année dernière. Nous avons signé un protocole de collaboration disparition senior avec la zone de police et le parquet. Et avec eux également un protocole de collaboration au sujet des marchands de sommeil. Nous avons entamé l'étude de terrain de PSV en vue de son urbanisation. Cette année, il a eu une balade comptée, une pièce de théâtre en Wallon. On a amélioré les ateliers du vendredi en proposant des activités variées et planifiées. Nous sommes devenus une ville d'émence en signant la charte de collaboration avec la Ligue Alzheimer. Nous avons adhéré au NILS. J'en compte 24 voire 25 et je pense que la liste n'est pas exhaustive car c'est sans compter sur le travail courant d'aide sociale qui est réalisé au quotidien. Et de plus, nous sommes à l'aube d'un nouveau défi avec la prise en gestion de la maison du Paris. Voilà. Merci Noël. Y a-t-il des questions sur le budget
UCPAS. Monsieur Vanden. Je ne sais pas si nos membres du mais conseil du CPS ont quelque chose à dire, puisque c'est eux qui ont pris la décision. Enfin, nous l'avons pris ensemble, mais c'est eux qui peuvent la motiver. Donc, Michel, je passe à toi. Donc, je veux quand même signaler à l'Assemblée que ce budget, ces deux budgets ont été votés au Conseil de l'Action sociale. Et que nous nous y sommes opposés, et les raisons pour lesquelles nous avons fait ont été exposées à ce moment-là. Le Conseil de l'Action sociale discute du budget à vous de clou. Voilà. Monsieur Collard, avez-vous des remarques, des questions ? Non, je l'ai écouté très attentivement, mais étant donné que nous ne faisons pas partie. je m'abstiens de tout commentaire et de tout, hein, parce que je ne suis au courant de rien de ce qui se passe au Conseil. Je crois que vous l'avez évoqué. Je viens d'évoquer assez largement. Oui, oui. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas de question. Ok, nous pouvons passer au vote. Ok, nous votons contre. Contre. Non. 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 Je m'abstiens. Oui. 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 Et oui. Point 4 de l'ordre du jour. La dotation 2018 à la zone de police d'Espagne. Là, nous avons un montant de 662 110 euros, ce qui fait une augmentation de 1,9% par rapport à l'année passée. On en a déjà discuté, donc je ne sais pas si on va encore discuter de ce point. Monsieur Collard, vous avez quelque chose comme remarque, monsieur Vandeleu ? Ok, on peut passer au vote ? Non. 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 Et non. Oui. 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 Et oui. S'il vous plaît. Point 5 de l'ordre du jour. Élargissement du tronçon du chemin vicinal numéro 17 à Jalais. Oui. Il s'agit ici d'un élargissement de la ruelle entre Coureux, enfin, l'ancienne ruelle de Coureux et Cosomé. Voilà. À la jonction chemin du Coureux. Cosomé. Donc il y a une demande qui a une personne qui a introduit un permis d'urbanisation et afin d'avancer dans l'étude de ce projet-là, parce que ce projet-là est toujours en étude, elle en a une chez nous, ben, il est nécessaire de faire une emprise sur le terrain où il y aurait les futures constructions. Donc si vous avez vu les pièces, donc, voilà, c'est voir si vous êtes d'accord à ce que nous réalisions cette emprise qui reviendrait à la commune plus tard, qui permettrait d'avoir une voirie à cet endroit-là suffisamment large pour garer les véhicules. Voilà. Une petite précision que je vais quand même donner qui est très importante, c'est que ça ne concerne vraiment que les emprises au niveau du terrain qui se répartissent. Voilà, c'est à l'étude. Voilà, à l'étude, l'ensemble du projet est à l'étude. Et ici, on ne parle que de la zone constructible et là où il y a le projet. On doit absolument élargir la ruelle. Est-ce que vous êtes d'accord sur le projet d'élargissement? Donc, il y a une zone constructible, il y a un projet. Les prairies suivantes sont aussi en zone constructible. Suivantes, non. C'est la fin de la zone. C'est la fin. C'est la fin. Donc, on ne va pas avoir par un fait. Non, plus loin de le petit chemin qui remonte, le chemin 17 qui remonte vers la portion du palais cimetière, le Sud-Ester, ça non, c'est la limite. C'est vraiment les derniers. Et en amont, et aussi le chemin de Coveux, lui, il reste aussi en zone. Des
cette zone-là qui a été mise au terrain à l'époque, toute une aberration, parce que c'est un endroit où, excusez-moi, mais c'est presque la fin du monde, là, et quand on voit les chemins qui arrivent, voilà. Alors, l'emprise, c'est une chose, mais alors après, on fait quoi? Parce que. Voilà. Ah oui, oui, mais. Disons que ça fait. Ça fait partie de tout le projet, je sais bien, mais. Les pompiers, les camions de déneigement, enfin voilà. Ça fera partie de l'objet de l'analyse du service et d'une décision. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'urbanisme est régi avec code ET. Nous avons des délais de rigueur à respecter. Et le fait de passer ce point aujourd'hui au conseil communal fait l'objet du respect justement des délais à respecter. Donc nous devons respecter ces délais, sans quoi le demandeur pourrait se retourner contre une décision communale qui n'est jamais arrivée à l'autre. Donc ici, l'objet concerne vraiment le projet. Après, il y aura l'analyse. Mais ça fait partie des actions à faire. Oui, mais il y aura beaucoup d'autres, si tu permets, Francis. Il faut savoir que ici, c'est une demande qui émane des propriétaires, donc on ne peut pas les refuser. Mais dans la poursuite du dossier, il y aura bien évidemment un plan global d'aménagement, si ça devait se faire, de toute la voirie qui mène à ce lotissement. Et ça fera partie de la demande globale. Mais ici, les propriétaires veulent la délimitation de leur lotissement. On ne peut pas le refuser, mais maintenant, le dossier va se poursuivre, et là, il va y avoir peut-être une demande, alors là, de plus globale, alors là, ça fera partie d'un plan global d'aménagement des voiries pour avoir accès à ce lotissement. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et là, c'est encore loin d'être résolu. Hein. L'aménagement de la voirie en largeur comme tu disais, pour la sécurisation, pour les pompiers, etc., ça, oui. Pour le déneigement, pour les évacuations des eaux, des neiges, tout ce qu'on veut, tout ça fera partie d'un plan futur. Mais là, c'est ça dans les demandes futures du permis qu'ils vont peut-être introduire plus tard. Mais maintenant, ils demandent juste l'élargissement du tronçon face à leur lotissement. C'est tout. Et là, il faut bien qu'on le passe, on n'a pas le choix. Et dans le plan global de... Oui, mais là, on verra à ce moment-là. Mon frère, je ne m'inquiète pas pour l'instant parce que je vois l'endroit, je vois les chemins, etc. S'il vous plaît. Je vois mal parce qu'il faudra vraiment que l'accès soit par ce. Oui, mais ils le savent très très bien. Toutes les solutions, ils le savent très bien et ils ont déjà les impositions qu'ils vont devoir respecter, mais ils veulent passer ceci, donc voilà, on le fait, mais ils connaissent la suite. Oui. Et alors, l'air de rien, c'est quand même une zone à fuir où il y a quand même beaucoup d'agriculteurs. Vous avez comme moi la saison juste à côté, et les problèmes vont encore commencer, et le bois d'agriculteurs. Mais on ne saurait pas interdire à quelqu'un qui veut valoriser ces terrains à bâtir de les valoriser. C'est impossible. Oui, ça, je suis bien d'accord. On n'a pas le pouvoir d'interdire à quelqu'un de valoriser ces terrains à bâtir. C'est comme ça. Mais c'est vrai que. Je dirais la même chose, simplement on ne peut pas interdire, c'est clair, on n'a pas le choix. Hein, je trouve évidemment dommage pour la ruralité et pour les agriculteurs qui sont déjà assis à fuir et qui sont un petit peu l'un sur l'autre, marche, tout ira par l'inverse, hein, qu'on leur prend pas beaucoup, hein, mais on leur prend quand même quelques-uns. On n'en peut rien. On est bien d'accord. Hein. Je dis que c'est dommage. Je dis. Ah oui. Pas différent. C'est vraiment ce que j'expliquais, ça fait partie d'une procédure avec le code été, on a un délai de rigueur et il faut que je passe ce point-là aujourd'hui pour avoir la vie du procès. Voilà. Vous avez d'autres questions et pas, juste pour info, la CCRPM est une instance qui a été consultée dans ce cas-là. 4 fois contre 3, oui, il est appelé la machine, il est appelé du reste pour voter. Mais non, je veux dire, ça fait partie. Oui, je sais, mais en fait, c'est pas très représentatif, 4 fois contre 3. Ah oui, mais je ne veux pas. Ouais, ben bon. Je n'ai pas évoqué le vote, je dis simplement que c'est une des instances, comme cette instance. Oui. Ok, on peut passer au vote, s'il vous plaît. Donc, vu que le projet nous paraît encore un peu nébuleux, et on va avoir l'analyse définitive, on va s'abstenir pour l'instant. Abstention.
Abstention. Abstention aussi, parce que c'est nébuleux. Voilà. Non, mais il n'y avait pas de point d'interrogation, donc moi je peux pas. Oui. Point suivant, marché public de travaux, transformation et extension de l'école communale de Sarre, mesures d'urgence pour les toitures, approbation des conditions et du monde de passation. D'acte. Éric, je vais te passer la parole pour que tu suives le dossier de l'école de Sarre. Comme vous ne l'ignorez pas, la société a obtenu le marché pour étendre et rénover l'école de Sarre et a déposé le bilan. Alors face à cette situation-là, on a plusieurs possibilités, soit de continuer avec le curateur et soit de chercher une autre entreprise, ou d'essayer de gérer avec ce qui reste de l'entreprise, soit on rompt le contrat. Mais si on rompt le contrat, il y a deux possibilités. Soit on ne récupère pas la caution de 100 000 euros. Soit on sait la récupérer, mais pour cela, il fallait, avant la faillite, de faire des démarches. Nous avons, avant la faillite, envoyé par recommandé une mise en demeure de non-exécution et on n'a pas eu de réponse à cette mise en demeure. Au-delà d'une dizaine de jours, s'il n'y a pas de mise en demeure, on peut casser le contrat et récupérer ainsi la caution, donc ça c'est déjà une bonne chose. Toujours est-il que les travaux sont terminés en partie. Pour ce qui est de l'extension, c'est terminé sauf l'amphithéâtre, mais les classes sont opérationnelles, utilisables sans problème. La partie maternelle qui est utilisée par les maternelles est terminée sauf quelques finitions, mais occupable et vivable de façon tout à fait correcte. Le problème, c'est que la dernière partie est toujours occupable aussi, mais entre ce qui a été fait et ce qui doit encore être fait, il y a des rénovations de toiture et la toiture, ce n'est pas le même principe le nouveau que l'ancien. Et donc, à l'entrée aux jonctions entre les nouvelles toitures et l'ancienne toiture, il y a des infiltrations d'eau. Alors, déjà, à plusieurs reprises, on a essayé de mettre des bâches. L'entreprise, d'ailleurs, toujours à ce moment-là, avait mis des bâches en attendant la poursuite des travaux, mais ça ne fonctionne pas, ça s'envole, ça passe quand même entre, etc. Et donc, ce que l'on vous propose ici, c'est en urgence, c'est de pouvoir, parce qu'on ne peut pas continuer le chantier maintenant, on doit relancer un cahier des charges, un marché. Mais ici, on pourrait pour une partie et juste supprimer ces infiltrations d'eau, je le rappelle, pas dans les classes, etc., mais au fond d'un couloir d'entrée, et notamment qui descend dans les cartes, c'est intervenir au de ce marché-là, dans un marché parallèle, je vais dire, pour un montant estimé de 21 410 euros. Alors, comme on ne veut pas traîner, on veut aller le plus vite possible, eh bien, le collège a décidé le 7 décembre de lancer ce marché-là. Et ici, c'est au nom du conseil de prendre acte de la décision du collège communal. Où on en est. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le chantier de la transformation de l'école de Sarre. C'est pas d'autres que vous faites que non. Oh non, on le fait des fois si. Bah ouais, mais qui est beau quand même. Et voilà, monsieur Collard. Non, oui. Je pense qu'on est tous tracassés par cette école, par ces travaux qui. On va dire, on n'a vraiment pas de choix par rapport à ça. C'est vrai qu'il faut
pour les possibles, parce qu'il y a toute la stabilité. Eh bien voilà, c'est une prise d'acte qu'il n'y a pas de vote. C'est une information qu'on vous donnait. Donc voilà que se terminent les points de l'ordre du jour. Ben, nous allons passer, si vous voulez bien, aux questions, si vous en avez. Mais avant de passer aux questions, je vais quand même vous donner une petite information. C'est que nous venons de recevoir la confirmation de l'obtention d'un subside de 100 000 euros pour le parking de covoiturage à Thiège. Donc ça, c'est confirmé. On a reçu ça cette semaine. Et les plans, enfin, la demande de permis est toujours à Liège, mais déjà à Liège, parce que ça va très vite, le parking de Liège, on va beaucoup plus vite qu'à Arzoli, étant donné que nous sommes en propriété communale et pas avec des intervenants comme le SPW, l'autoroute, etc. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, parce qu'il y a moins d'intervenants. Donc le dossier avance très bien et très vite. Voilà. On peut passer aux questions maintenant. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Ma question s'adresse à Madame Lécherine de troisième âge, mais elle est assez brève cette question. Donc, on a reçu les candidatures pour le conseil consultatif des aînés. Vous pouvez nous dire combien de candidatures vous avez reçues? Vous les avez reçues? Vous dites que vous les avez reçues? Non, non. Vous les avez reçues. Vous avez reçu les candidatures. Je vais vous demander combien il y en a. Elles seront analysées demain au collège. Ça veut dire que le collège va désigner les. Analyser la réception de. La date de clôture, c'était le 15 décembre. Le 15, oui. Et demain, avec le collège, nous allons regarder les candidatures. Mais ça veut dire quoi? Il doit y avoir plus ou moins une trentaine. Une trentaine? Oui. Mais ça veut dire que vous allez, au sein du collège, désigner les personnes qui feront partie de ce conseil. Oui, mais il n'est pas dit que ce sera ce collège-ci, tout dépend du travail qu'on aura demain. Il faut prendre connaissance des différentes candidatures. Prendre connaissance? Mais pas désigné spécialement. Je ne sais pas ce que nous ferons demain. Donc, parce que nous ne sommes pas encore réunis. Donc il est possible que vous désigniez vous-même les membres du CCA. C'est ce qui est prévu. De toute manière, c'est le collège. Et vous, on pourra avoir les critères de sélection? Bon, je suppose, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, j'espère bien qu'il n'y a pas de souci. On est en démocratie quand même ici. Tout le monde a le choix, il n'y a pas de... Pourquoi poser la question alors? Eh bien, parce que je pense que vous n'êtes pas très clair dans votre réponse. Parce qu'en fait, la date de clôture, c'est le 15 décembre, il n'y a pas eu de collège depuis, et nous prenons connaissance demain. Je respecte l'ordre des choses, et donc je verrai avec le collège. Mais vous ne répondez pas à la question de savoir que vous allez désigner au sein du collège, les personnes qui seront membres de ce conseil. Est-ce que le collège va les désigner ou pas? Va faire une sélection. Bien, à votre avis. Ah, je pose la question, c'est pas votre avis. S'il y a une trentaine de candidatures. Oui, et alors? Nous devrons peut-être faire une sélection. Nous devrons tout simplement. Ils ne peuvent pas voter, tous ensemble, ils sont tous les 30 ans. Ça ne se fait pas, ça. Mais c'est pas démocratique. Tant que moi je n'ai pas vu ceci avec mes collègues, je ne vais pas répondre pour eux. Mais c'est une possibilité. C'est une décision collégiale. C'est une possibilité que vous désigniez vous-même les membres. Ok. Voilà, il y a 30 candidatures. Donc, ok, mais j'entends. Voilà. Non, il y a une troisième question qui est complémentaire concernant la désignation du président ou de la présidente de ce conseil. Dans un premier temps, vous souhaitiez, je crois, poursuivre la présidence au-delà de la première réunion que vous présiderez, ça c'est tout à fait normal. Mais au-delà de cette première réunion, est-ce que le conseil va désigner en son sein un président ou une présidente, indépendamment d'un membre du collège? Donc ici, je vous rappelle que nous avions mis en place un règlement d'ordre intérieur sur conseil du service de nos employés. Il était préférable d'avoir un règlement d'ordre intérieur pour des mariés. Et moi, comme je vous l'ai dit, ce qui m'importait, c'est quelque part avoir une certaine neutralité. Ça veut dire que s'il y a un président qui est aîné, qui monopoliserait plus ses priorités à lui, je trouverais ça embêtant. Comme le bourgmestre l'a déjà dit, et comme on en a parlé déjà au dernier conseil communal, l'important, c'est de faire remonter les informations auprès du collège. Donc vous souhaitez garder la présidence, même au-delà de la première séance? Je vais d'abord prendre connaissance avec les membres du CCCH. Je sais bien que les pensionnés sont pressés, mais laissez le temps aux gens.
parce que je n'ai pas encore vu avec le collège les candidatures. Il y aura ensuite un passage au prochain conseil communal en janvier pour désigner les membres en huis clos. Et donc, ce sera le sujet du prochain conseil communal. D'accord, voilà. Ben oui, je vous le temps d'avance par rapport à nous. Ok, monsieur Collard. Oui, j'ai un sujet. C'est une question, pas un sujet. Oui, oui, mais pour poser ma question, j'ai de l'aide peut-être le 15. Sinon, beaucoup de gens ici de l'Assemblée ne vont pas comprendre. Mais non, mais ça veut dire qu'il y a pas mal d'intercommunales qui adhèrent et qui ont cotisé au fonds des pensions, au Géofin. Il faut savoir que ces intercommunales sont dans l'ordre public film ainsi que la IDE, et que ce fonds des pensions, il y a quand même eu des problèmes à certains moments, et on en a encore relevé il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, vous savez, comme moi, que certaines personnes ont à voir là-dedans et qui se sont retirées. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que notre commune, avec ses représentants dans certaines intercommunales dont on fait partie et dont ces intercommunales sont adhérents au Géofin, sont au courant de ce qui se passe avec ça ou pas? Est-ce qu'on nous tient au courant? Voilà. Si on nous tient au courant, est-ce qu'on peut poser des questions par rapport à ça? Voilà. Parce qu'il en va quand même pour les pensions des gens qui travaillent dans ces intercommunales. Et il y a quand même pas mal de nombre de personnes dans ces intercommunales qui sont concernées par ça. Voilà. Je crois que chaque membre des intercommunales à l'Assemblée générale peut poser toutes les questions qu'il veut et analyser tous les dossiers qu'il a envie. Et ici, à la commune, nous n'avons pas de fonds de pension chez Géofin. Voilà, non, c'est à la commune, non, mais dans les intercommunales. Donc, nous faisons partie, donc notre commune fait partie et dont nous avons des représentants. Est-ce qu'on a eu des informations par rapport à ça? Donc, problématique qu'il pourrait y avoir dans le futur par rapport à... Non. Aucune information de ce sujet-là. Aucune. Est-ce qu'il est possible que notre commune, parce que je pense que c'est de la responsabilité de notre commune de s'inquiéter un peu de ce qui se passe par rapport à ça. Voilà. La pension des mandataires qui sont aux intercommunales. Non, des du personnel qui travaille aux intercommunales. Oui. Mais comment on sait c'est notre problème? Le fonds de pension de, par exemple, à Détis, un fonds de pension est géré par une autre. Qui s'appelle Poulipard, qui gère les finances de Métis, et ce fonds de pension-là, qui notamment va couvrir les pensions de vous, d'un opérateur de communication. Les communes, ce fonds de pension-là existe d'une manière organisée et réglementée chez Poulipard, donc chez Métis, et nous, la commune, on n'a rien à voir là-dedans, ça ne relève pas de l'Assemblée générale. Maintenant, dire qu'il est en bonne santé ou pas en bonne santé, ce fonds de pension-là, ça c'est le jugement de chaque personne, mais ce n'est pas les représentants de la commune qui ont à gérer ce fonds de pension-là. Je n'ai pas écouté. C'est une société qui le gère pour les fils, en l'occurrence, je ne dis pas. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'on ne peut pas me poser des questions. Ah, on peut poser des questions. D'ailleurs, on le fait. C'est ça ma question. Bon, si on n'est pas informé, plutôt que vous poser des questions, on le savoir un peu plus, voilà, tout simplement. On le fait régulièrement. Parce que je pense qu'on a une part de responsabilité par rapport à ça. De l'Assemblée générale, peuvent poser toutes les questions possibles et imaginables. C'est d'ailleurs le but de la présence des représentants, justement, c'est de poser des questions. Mais ici, on pense qu'ils n'ont rien à dire. Oui, sans problème. Non, parce que c'est paru dans. Il y a eu des articles dans les journaux par rapport à ça, etc. Oui, hein, oui. Ok. Voilà. Une autre question, M. Collard? Non, c'était la seule. Oui, M. Petit. Oui, je m'adresserai à l'Échevin des Travaux pour lui demander un peu comment la saga de la balayeuse se termine. Écoutez, nous avons envoyé à l'entreprise qui nous avait fourni la balayeuse. Excusez-moi, je vais éclairer un petit peu la raison pour laquelle je pose la question.
J'ai entendu vos collègues tout à l'heure mentionner dans les investissements futurs l'achat d'une balayeuse mécanique. Non, c'est pas des abus. Si je ne m'abuse, le matériel que vous avez acheté il y a quelque temps qui a posé problème, il y avait une fonctionnalité de désherbage. Non, il y avait une brosse de désherbage qui est ajoutée au tracteur, qui est toujours dans le marché. Oui, mais qui fonctionne très bien. Et alors, il y avait la balayeuse. Il y avait la balayeuse. Alors, deuxième raison pour laquelle je pose la question, vous avez mentionné l'effort que vous faites à travers enfin, dans le budget et les prévisions que vous avez pour l'exercice suivant à propos de l'entretien des routes. Mais je vois que dans le budget mentionné, il y a l'achat de deux camionnettes et d'encore un tractopelle. Bon. Si le budget d'entretien des routes, c'est un budget qui sert à acheter du matériel, je comprends bien qu'il faut du matériel pour entretenir les routes, mais je veux dire, on n'en sortira pas à ce stade-là. J'aurais une suggestion, question à vous faire, c'est que vous nous avez dit aussi qu'il y avait comme un plan d'acquisition et de renouvellement du matériel des travaux publics, à raison de chaque exercice. Financièrement parlant, on voit les sommes qui sont affectées à ce genre de transaction. En termes de matériel, on n'a pas de référence au matériel acheté, je veux dire. Le matériel n'est pas numéroté, par exemple, pour dire, voilà, c'est le tracteur numéro 27 qui a fait l'objet de cet achat pour un montant d'eux. Et nous n'avons certainement pas non plus une liste du matériel qui est désarmé, obsolète, sorti. Et on pourrait penser que ce matériel qui est abandonné, est arrêté, pour toutes sortes de bonnes raisons, hein, doit faire l'objet d'un marché aussi, parce qu'il doit être revendu, en quelque sorte. Et nous n'avons jamais aucune information concernant ça. Alors, On peut faire des... C'est pas vrai, ça. Ça c'est, quand on a acheté un camion, on en a fait revendu un, et c'était clairement indiqué dans le budget. Je ne comprends pas pourquoi la revente du matériel désarmé fait partie de l'appel d'offres pour l'achat. Ce n'est pas habituel, ça devrait être séparé. Voyez-vous ? Et voilà la question que je pose. Oui, ben, pour le respect des marchés publics, je pense qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. Tu m'as clair, moi, ça marche. À la tutelle et tout, donc. Voilà, tutelle, tout est prêt. Si on fait tutelle, on l'accepte. On suit vraiment la législation sur le marché public. Vous faites un appel d'offres pour un nouveau matériel. Et dans cet appel d'offres, si je comprends bien, vous déterminez le prix nominal probable du matériel à acheter, dont vous déduisez alors le prix. Non. C'est reprise du vieux matériel compris alors. Non, c'est vente du camion qui est un autre article et qui doit aller dans le fond. Et ça se vend sur base de quelle procédure? Il faut dire que généralement, quand on acquiert du nouveau matériel, le matériel qui est remis, il est déjà faux. Non, mais je n'en doute pas, même si vous le vendez au prix de la ferraille, il doit sortir. Oui, il est sorti. Mais sous quelle forme? On n'en parle jamais. On ne sait pas si c'est vendu, comment c'est vendu. Ah, c'est dans les comptes, hein. Dans les comptes, sans doute. Évidemment, mais on vous montrera, parce qu'on ne saura pas vous répondre comme ça, parce qu'on ne fait pas ça tous les jours, mais... Maintenant, on peut revenir sur la balayeuse que nous avons achetée. Il faut savoir que c'était la première balayeuse de ce type qui était importée en Belgique. Donc, nous avons essayé la balayeuse, des personnes avaient été la voir fonctionner, elle fonctionnait bien, pour ceux qui, lors de la démonstration,
que, malheureusement, quand il a fallu balayer et brosser les feuilles, que le système ne fonctionnait pas. Nous avons envoyé un PV à l'entreprise qui nous a fourni la balayeuse pour signaler que la balayeuse ne respectait pas le cahier des charges et qu'elle ne nous convenait pas. Des discussions ont eu lieu avec l'entreprise et il était convenu que l'entreprise nous a repris la balayeuse au prix auquel elle nous avait été fournie. Mais nous nous retrouvions avec le même problème et nous avons sommé l'entreprise de trouver une solution pour que nous puissions travailler correctement dans notre commune pour balayer les voies vides. Il y a toute une négociation qui a eu lieu avec la firme et l'importateur et il était décidé, maintenant je ne sais pas si tous les documents nous sont revenus exactement, mais nous allons devoir remettre un petit montant supplémentaire pour obtenir, pour acquérir la balayeuse que nous avons eue pendant une période temporaire. C'est une balayeuse de démonstration qui est super équipée. Nous allons l'obtenir à un prix sans concurrence. Je pense que par rapport au prix d'une machine neuve, nous allons épargner à moins de 30 000 euros. C'est la même firme ? C'est la même firme. C'est la balayeuse que vous avez eue en dépannage. C'est celle-là que vous allez acheter. Et l'entreprise n'a pas de solution à la problématique du ramassage des déchets. Il n'y a pas de solution. Ils ont dit qu'on n'a pas de solution. Impossible. On n'a pas. On n'a pas de solution. Cette entreprise-là, on aurait pu imaginer qu'il y en ait d'autres. Oui, mais enfin, la balayeuse, on l'a achetée à cette entreprise. Donc, on l'a interrogée, qu'on leur a dit vous ne respectez pas le cahier des charges, etc. Ils nous ont dit, nous n'avons pas de solution. Donc ils nous ont repris la balayeuse, nous l'avons achetée, et ils nous remettent. Et nous n'étions pas dans l'obligation de relancer un marché à l'appel d'offres. On est en pleine discussion. D'accord. Et oui. Oui, c'est en. Tant que vous analysez, vous pourriez savoir en cours de décision. Je retiens vos promesses de nous éclairer un peu plus sur cette problématique-là au prochain conseil, ainsi que la gestion du parc machine de la commune. Oui, pas de problème. Merci. Il n'y a plus de questions. Donc, avant de continuer, je vais quand même souhaiter les meilleurs voeux à tout le conseil communal et à tout le public. Mais également, je vais en profiter pour dire joyeux Noël et une bonne année à toute la population jalétoise qui suit le conseil communal via la page Facebook. Et en profiter également pour souhaiter aujourd'hui un bon anniversaire à notre conseiller communal Dimitri, qui a vraiment son anniversaire aujourd'hui même. Alors je ne sais pas ce que tu nous offres. Vu le nombre de questions qu'on a pendant le conseil, mon avis sera fermé. Donc, la prochaine fois qu'on s'est fait la délicieuse, je suis pas très aimé. Donc voilà, une bonne année, une bonne santé à tout le monde et que tout vous réveille, que on se passe très bien.